dessiné avec du rouge à lèvres. C'est l'expérience la plus bizarre que vous allez voir sur TikTok. Non, franchement, 20€, 24 rouges à lèvres, c'est archi rentable. Je les ai même testés et franchement, c'est dégueulasse, ça avait un goût de carbone. Donc pour démarrer, j'étais assez surpris parce que ça ressemblait un peu à de la peinture. Et ça se déposait un peu en pâté. Le seul problème, c'est que c'était archi pas précis. Non mais par pitié, Théma, la taille du bail. On dirait ce que j'ai... Bref, pardon, excusez-moi. Donc évidemment, je commence à coloriser le tout et il y avait des couleurs assez spéciales, donc j'ai pas pu être vraiment libre. Mais justement, j'ai essayé de redoubler de créativité. Donc je me suis dit, bah pour les cheveux, je vais faire du bleu. Et franchement, petit à petit, bah les cheveux, ils commencent à avoir vraiment de la tronche. Hein. C'est pas un challenge que je ferai tous les jours ni que je conseillerais. Mais pour tester d'autres types de médiums, franchement, il n'y a pas mieux. Parce que ça nous pousse dans nos retranchements. T'es mal retranchement, mec! Et évidemment, à la fin, je vais utiliser du liner, enfin du Posca pour aller avec le rouge à lèvres. Parce que bon, t'es bien mignon, mais il fallait rendre un petit peu ça plus stylé. Et après 30 minutes de dessin acharné, j'ai enfin le résultat. Évidemment, si t'aimes bien le concept, je t'invite à donner une petite note sur le dessin.